عليكم فام او بلوريال افيك فو برنامج فام او بلوريال على قناه مغرب تي في. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. Alors aujourd'hui, notre émission, un autre sujet avec pour invité Madame Cherifi Rzala. Madame Cherifi Rzala qui est présidente de l'association LABA, les amitiés belgo-algériennes. Elle est politologue aussi, elle nous dira d'autres choses sur elle dans quelques instants. Elle est accompagnée de Madame Suzy Rosendor. Madame Suzy Rosendor est activiste du réseau de solidarité belge avec l'Algérie et porteur de valises. On va en savoir un peu plus dans quelques instants sur ce terme-là et sur cette expression-là. Aujourd'hui, le sujet, c'est une question d'amitié qui ne date pas d'hier, elle date d'il y a très longtemps. On va faire un pan historique avec Madame Rzala Cherifi. Bonsoir. Bonsoir Fouzia, bonsoir et merci à Maghreb TV de nous recevoir aujourd'hui. Voilà, alors Rzala, comme je disais, avant de nous présenter l'association que vous avez fondée il y a quelques... Enfin, je pense qu'il y a... Ça fait deux ans que vous avez fait... En 2012. Voilà. Nous raconter un petit peu qui est Rzala. Eh bien, Rzala est d'abord une citoyenne du monde. Je pourrais d'abord me cataloguer comme citoyenne du monde. Et bien entendu, puisqu'on a tous des origines, aussi d'origine algérienne. Donc, je suis une belgo-algérienne, d'où aussi l'envie de dénommer mon projet d'association, qui était à l'époque un projet qui est devenu une réalité aujourd'hui. Donc je suis politologue de formation, maman d'une adorable fille de 10 ans et demi, mariée, je vais embrasser mon mari et ma fille, qui va sans doute nous voir, mes parents également. Et aussi, voilà, donc je suis issue d'une famille des plus classiques, famille nombreuse. Ce qui, je pense, est en fait un lien avec tout ce que j'ai pu, mon parcours de vie, c'est que je suis issue d'un papa et d'une maman qui étaient déjà militants à leur époque, militants dans le cadre de la guerre de l'indépendance. Et donc voilà, donc mon parcours est un peu, et c'est plus tard, que j'ai fait un lien avec l'histoire de mes parents et moi, ce que je suis devenue aujourd'hui. Mmh. Au début, on n'en prend pas conscience, et c'est avec le temps, avec les années, bien entendu, avec une certaine maturité, qu'on en revient à faire une certaine boucle, et d'où le fait d'avoir créé mon association. Donc, vous étiez déjà militante dans plusieurs associations. Tout à fait, et c'est pour ça que je vous parle de boucler une boucle, parce que vous m'avez connue, j'ai commencé à l'université d'ailleurs, pendant que je faisais mes premières années et mes premières armes à l'université. J'ai découvert le milieu associatif grâce à mes amis marocains qui étaient eux à l'époque militants des droits de l'homme. C'était à l'époque de l'UNEM, tout à fait. Donc s'ils me voient, ils vont avoir une pensée, un devoir de mémoire, tout à fait. Une nostalgie de l'époque. Donc j'ai commencé à faire mes premières armes avec eux. Donc j'ai milité depuis que j'ai commencé dans les années 88 exactement, 87-88. Alors c'était mes premières... une autre époque et d'autres sujets de... Tout à d'autres fait. Combats. D'autres combats, et c'est, y avait, oui, d'autres combats, mais grâce à nos combats, et vous en faites partie, grâce à nos combats, on est arrivé à une certaine réalité d'aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a des personnes aujourd'hui les personnes d'origine étrangère votent, c'est nos combats. Si aujourd'hui il y a des personnes d'origine étrangère qui sont maintenant élues, qui sont ministres, qui sont députés, c'est nos combats. Si aujourd'hui nous avons pour l'ensemble d'entre nous, en tout cas tous ceux que je connais, avons fait des hautes études et de bonnes études, ou bien avons un cursus qui est réussi professionnellement, c'est nos combats. Si aujourd'hui on a certains droits, pas mal de droits quand même, c'est nos combats, mais des combats qui n'ont pas fini, ou bien en tout cas moi je m'interroge aujourd'hui, comment ça se fait qu'aujourd'hui on arrive
à des situations qu'on vit aujourd'hui malheureuses et douloureuses. On reviendra sur les événements de l'actualité, auxquels vous faites référence dans quelques instants. Vous êtes accompagnée, Rzella, par Madame Suzy Rosendor, alors activiste, c'est un beau mot, on peut reconnaître... toute ma vie, vous avez été activiste, mais surtout pendant la guerre d'indépendance d'Algérie. Alors racontez-nous ça, mais peut-être quelques mots sur vous. Qui est Suzy Rosendor? Eh bien, mes parents étaient russes et ils ont toujours milité. Mon père était pas dans l'armée russe, c'était dans la milice, ou je ne sais pas s'il faut l'appeler la milice, ou les gardes rouges. Et il a dû fuir la Russie à l'époque de la Révolution parce qu'il était recherché par les Blancs. Donc les Blancs, c'était les anti-bolcheviques. Et il s'est retrouvé en Belgique grâce à un camarade ici. Il voulait aller à Paris, mais il est revenu en Belgique parce qu'il y a un camarade de son patelin qui lui a conseillé de venir en Belgique. Il a dit, c'est un beau pays, viens ici. Il est venu, il a toujours été très heureux. Alors, ils ont milité, mes parents, dans les organisations antifascistes avant la guerre. Et puis, pendant la guerre d'Espagne, ils ont aussi milité contre... Le régime franquiste. Et puis nous sommes partis aux États-Unis. Et je dois dire qu'aux États-Unis, c'est un beau pays, mais c'est un pays qui, à l'époque et encore maintenant, est un pays assez étroit d'esprit, raciste. Et quand je suis revenue en Belgique, j'avais l'impression de revenir à la maison. J'étais vraiment contente de quitter les États-Unis. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, j'ai milité dans les organisations de gauche ici en Belgique. Et quand il y a eu la guerre d'Algérie, j'ai estimé qu'il y a des guerres justes et des guerres injustes. Et la guerre d'Algérie étant une guerre juste, j'ai décidé de faire quelque chose. Et j'ai été contactée par le responsable du FLN en Belgique, qui s'appelait Marc Titouche. Il est décédé, malheureusement, c'était un gars très bien. Et j'ai été tout de suite embrigadée, disons. Et alors, comme j'ai dit à Céphala, le terme de porteur de valise était un terme qui a été initié en France. Et je trouve que ça ne cadre pas avec les militants qui étaient en Belgique, qui avaient d'autres activités que de porter des valises, tous d'ailleurs. Et moi, j'étais directement en rapport avec les responsables du FLN. Je peux vous citer quelques noms, si ça vous intéresse. Pouvez, Il y avait Amar Ladlani, qui était le responsable de l'organisation. Omar Badaoud, je crois. Qui était... Rzella qui... Oui, tout à fait. Parce que mon père en parlait auquel nom. Oui. Alors, il y avait le responsable financier, qui était Abdelkrim. Et puis, il y avait encore un responsable de... Vous étiez plusieurs, on va dire. Vous étiez plusieurs de ce combat, de son militantisme. Ah oui. Et chacun avait d'autres... On reviendra sur le terme porteur de valise dans quelques instants, si vous voulez bien, Madame Rosendor. Je reviens à vous, Rzella. Comme Suzy l'a fait, on est rentré déjà dans l'histoire, dans le sujet. Alors, vous, comment est-ce que vous êtes rentré dans le sujet Quelques années d'études, de militantisme, mobilisation pour des causes citoyennes ici. Et puis, un retour en Algérie. Un retour en Algérie. L'Algérie n'a jamais été une coupure pour moi, loin de là, mais j'ai toujours eu et travaillé et milité dans un cadre plutôt universel, dans l'universalisme, et particulièrement maghrébin également, dans le sens où, à l'époque, quand je vous parle des années 80, nos amis, mais aussi nos combats. Parce que c'est vrai qu'on avait, on vivait tous les mêmes situations, les mêmes difficultés, et on avait tous les mêmes projets, dans le sens où c'était la défense de nos droits, une citoyenneté responsable, de meilleures conditions au niveau du logement, scolarisation, etc. Et c'est vrai que, en tant qu'Algérien en Belgique, je faisais partie de cette minorité, donc
par la force des choses, j'étais souvent la seule, pratiquement la seule dans les groupes, dans un groupe de Marocains qui avaient la même vision que moi dans la défense de nos droits. Donc moi, j'étais très bien et jusqu'à un certain moment, le parcours de vie fait que je me suis plus mise au devant de la scène parce que j'ai été aussi engagée en politique, je me suis présentée à des élections. Et c'est au moment où je me présente à des élections que des personnes m'ont mise devant mes origines. Mm-hmm. Et particulièrement les Marocains qui disaient « Ah, mais elle n'est pas marocaine, elle est algérienne ». Et c'est eux qui m'ont fait comprendre, enfin pas qui m'ont fait comprendre, je le sais que je suis algérienne et j'en suis très fière, mais je ne voulais pas rentrer dans ce jeu de différencier marocain-algérien. Pourquoi? Parce qu'un Belge, quand il me voit dans la rue, il ne sait pas marquer sur mon visage que je suis algérienne. Pour eux, je suis une personne d'origine étrangère, de confession musulmane ou d'origine musulmane, maghrébine. Donc, et s'il y a quelqu'un qui... Si je tombe sur quelqu'un qui est d'origine... raciste ou qui n'aime pas les étrangers, ils ne voyaient pas la différence. Mmh. Et on a grandi ensemble depuis la crèche jusqu'à l'université. Mmh. Donc pour moi, il n'y avait pas de grande différence. C'est plus tard, justement, au moment où il y avait d'autres enjeux où j'ai réalisé qu'on me considérait plus comme une Algérienne que pour une Marocaine. Et puis moi, je me suis dit également que j'avais toujours cette envie de faire découvrir cette Algérie que peu de gens connaissent en Belgique, que ce soit les Belgo-Belges ou justement même certains Marocains ou d'autres communautés qui ne connaissaient pas. Et puis votre père aussi vous parle aussi. Voilà, vers le tard, mon père a parlé de son histoire vers le tard en fait. Et parce qu'il a milité, comme Suzy nous racontait cette militance pour la guerre d'indépendance, mais ils ont milité et ils l'ont gardé pour eux. Un, il était déjà mineur, il est venu dans les années 40, il est venu en 47 en France, il était déjà activiste en France, il travaillait dans les mines, il est venu à l'âge de 18 ans, il travaillait dans les mines, et activiste au sein du FLN, dans les réseaux en France. Et il avait comme mission de passer, c'était un passeur, il devait passer des Algériens qui étaient poursuivis par les autorités françaises, en France, entre la France, la Hollande et la Belgique. Mmh. Il faisait ça de manière très discrète, parce que c'était tout était dans la discrétion et dans le militantisme. Et au fur et à mesure, il se faisait lui-même prendre, emprisonné par les autorités françaises, jusqu'à un certain moment où le commissaire, qui commençait presque à sympathiser avec lui, il a dit « Si tu n'arrêtes pas ton activisme, c'est fini pour toi. Ou tu arrêtes, ou alors mon père a choisi la solution, c'est de partir en France, en Belgique plutôt, ce que j'aurais. En Belgique, où il avait déjà de la famille qui travaillait dans les mines à Mons, Charleroi. Et les responsables de section en France ont contacté des responsables en Belgique en disant voilà, on vous envoie quelqu'un de très bien, à qui vous pouvez faire confiance, et il va continuer sa mission mais en Belgique. Le seule chose, c'est que mon père... En quelle année ? En 54, il est venu en Belgique, en 1954. C'est pour ça que je voulais faire aussi une boucle, c'était 60 ans des commémorations sur les 60 ans du déclenchement de la guerre de libération algérienne, mais également 60 ans de présence algérienne en Belgique. Mmh. On a fêté les 50 ans de présence marocaine l'année passée, où il y a deux fonction ans, donc en fonction de l'accord. Mais là, c'était 60 ans de présence algérienne en Belgique, parce que l'histoire de l'immigration algérienne n'a rien à voir, n'a pas la même histoire que l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique. Et donc mon père, en 1954, il est venu en Belgique, où il a continué à travailler dans les mines, avec sa famille qui était déjà en Belgique, et il a continué son activisme, son militantisme algérien, pour la guerre, pour l'indépendance d'Algérie, jusqu'à l'indépendance. Et vous voulez créer une association. Et donc, voilà, comme je vous dis, je veux dire, au moment où on m'a fait comprendre que j'étais algérienne, et je me dis, tiens, ben, c'est vrai, je suis algérienne, en effet, j'ai beaucoup investi pour les autres communautés, beaucoup pour la communauté marocaine, parce vous avez vu, hein, on avait travaillé on était ensemble d'ailleurs, nous étions les premières à avoir lancé le comité de soutien pour la Moudawana, la réforme de la Moudawana, le cultures et mémoires, devoirs de mémoire, tout ça, c'était des combats qu'on faisait ensemble. Et puis, je me suis dit, ben voilà, il y avait un vide parce qu'il n'y avait pas assez d'associations, il y a presque peu d'associations algériennes en Belgique, et j'ai souhaité justement créer cette association pour faire la promotion de l'histoire et du patrimoine culturel, historique et artistique de l'Algérie, mais aussi la relation belgo-algérienne. Et mettre en lumière justement cette relation belgo-algérienne, mm-hmm, qui a existé plus de 60 ans, mm-hmm, après.
Et donc, et c'était au moment de la, en 2012, j'ai créé cette association en 2012 dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Mm-hmm. Je me suis dit, l'occasion jamais de la... En fait, elle était pensée depuis un petit temps, mais elle n'était pas concrétisée. Et je l'ai concrétisée le 19 janvier 2012, dans le cadre des 50e anniversaire de l'indépendance d'Algérie, où j'ai souhaité faire un travail de mémoire. Et donc, j'organise énormément de conférences, plus que de soirées, etc., de conférences qui attraient toujours à la mémoire. J'ai fait un travail. Je connaissais cette histoire, j'avais lu, quand j'étais à l'université, Le Front du Nord, mm-hmm. de Hugues Lepège. Et je l'avais lu, et j'ai découvert pas mal de choses dedans. J'avais pas eu le temps, à l'époque, de trop m'intéresser, parce que j'étais aux études, il fallait terminer, vous savez que l'université, c'est pas facile, plus les autres activités à côté. Et... avec le temps, il ne faut jamais désespérer. Donc, il faut toujours garder quelque chose qu'on a en mémoire, il faut toujours essayer de le concrétiser. Et c'est ce que je fais durant tout mon parcours de vie. Si ça ne se fait pas tout de suite, ça se ferait bien un jour. Donc, je l'ai repris cet ouvrage et j'ai relu. Et je me suis dit, ces personnes-là, pour boucler la boucle, ces personnes-là, en hommage à mon père, qui un jour va nous quitter parce qu'il a déjà 87 ans, et il n'y a aucune trace, aucune mémoire. Il n'y a rien qui a été fait sur l'Algérie ou sur l'immigration algérienne. J'ai essayé de contacter, voir des études, aucune étude sociologique, aucun film, aucun reportage, rien sur l'immigration et l'histoire de l'immigration algérienne. Je me suis dit, avant que nos parents nous quittent, parce qu'ils sont peut-être 4-5 maintenant en Belgique, qui ont participé à cette histoire, j'ai voulu faire des recherches en écoutant mon père et je me suis dit, il y a aussi des Belges qui nous ont soutenus. Et je connaissais quelques personnes et j'ai découvert que même à travers ces personnes, il y avait par exemple Jacques Nagels qui est décédé l'année passée, qui était mon prof d'économie politique à l'ULB et je ne savais pas ça à l'époque. Il y a Paulette Pirsomoiti qui n'a pas été activiste comme comme Suzy, mais qui était aussi dans un réseau de soutien. Mmh. Donc des personnalités que j'ai connues, académiques, que j'ai connues durant mon parcours universitaire. Vous avez retrouvé Suzy? Oui, Suzanne Rosondo. Suzy, elle est dans ce Et donc de fil en aiguille, il y avait Serge Moureau qui était aussi un avocat parce qu'à travers les portes de valise, comme on les appelle, et qu'il y avait aussi les avocats qui ont soutenu et qui ont défendu les Algériens qui étaient recherchés par les Français. Et il y avait notre bourgmestre feu Guy Cudel, qui a été un grand... Mais ça, je te laisserai. Oui, oui. Qui a été un des grands activistes. Et donc, je connaissais des personnalités que j'ai rencontrées, que j'ai côtoyées, et je me suis dit, c'est pas possible. Je dois faire ce lien. Et ce lien, c'était moi, belgo-algérienne. En toute modestie, j'ai souhaité créer cette association. J'ai fait des recherches, j'en ai rencontré. On est devenus maintenant de grands amis. Ils sont devenus presque tous membres d'honneur de mon association. Et je vais laisser peut-être la place. Vous n'êtes pas seul dans l'association? Non, on est plusieurs. Il y a Pierre Delruel qui est un belgo-belge. Mm-hmm. Il y a Fatia Abidi qui est une belgo-algérienne. Il y a Samir Bendimred qui est un auteur-compositeur, un artiste qui est aussi membre de l'association. Il y a Jean Bofan qui est un belgo-congolais. Qui est un écrivain, qui est... C'était des connaissances ou bien c'était des... Pierre Delruel, il connaissait rien de l'Algérie, mais beaucoup du Maroc, parce qu'il a mm-hmm. de bonnes connaissances au niveau du Maroc. En m'écoutant, en voyant ce que je faisais, il a voulu adhérer, et il adhère. Jean Bofan, c'est quelqu'un qui est d'un certain âge aussi, qui est connu pour être écrivain, et qui était qui connaît très bien l'histoire d'Algérie, la guerre d'Algérie, et comme africain, il m'a dit, écoute, j'adhère directement parce que pour nous, les Africains, l'Algérie était le pays moteur, le pays par excellence qui nous a montré ce que c'est que les guerres d'indépendance. Et grâce à cette guerre d'indépendance, tous les autres pays africains se sont lancés et ont eu ce combat. Donc, c'est une référence pour tous les Africains, la guerre d'indépendance d'Algérie. Et donc, c'est comme ça qu'il adhérait également. Donc, moi, voilà. Et c'est comme ça que j'ai souhaité aussi faire une association belgo-algérienne et pas algérienne ou communauté algérienne, parce que je suis les deux, je suis belge et algérienne, et je suis je reconnais et je veux garder cet hommage et ce fil rouge aux Belges qui nous ont vraiment soutenus au péril de leur vie. Voilà, alors voilà. Je m'adresse à vous, Suzy. Alors voilà, on a entendu quelques noms qu'on connaît, Serge Moureau, Guy Cudel. Est-ce que c'est un comité dont vous faisiez partie ou vous connaissiez à ce moment-là ? C'était pas, en principe, on ne devait pas se connaître. Mm-hmm. Parce que comme c'était une activité clandestine, on n'était pas censé se connaître. Alors comment ça s'est organisé ? Pardon ? Comment ça s'organisait ?
Mais ça ne s'organisait pas. On n'était pas organisé entre nous, on était organisé avec les Algériens. Mm-hmm. Donc chacun avait des contacts avec certains Algériens. Et comme j'ai dit, moi je ne sais pas pourquoi je suis tombée avec le contact avec les dirigeants du FLN qui étaient en Belgique et qui faisaient des allers-retours. Mm-hmm. Et je racontais que la seule fois où j'ai porté une valise, c'est que j'ai porté les archives du FLN entre la Belgique et l'Allemagne, parce qu'ils étaient stationnés en Allemagne aussi. Les Allemands étaient très coopérants avec les Algériens, parce qu'ils savaient qu'après, il y aurait des affaires à faire. Et j'avais raconté, je te souviens peut-être, à la frontière, j'avais donc dans le coffre de ma voiture toutes les archives du FLN, c'était pas rien. Et à la frontière, je m'arrête, parce qu'à ce moment-là, il fallait montrer un carte d'identité ou passeport. Et le douanier prend ma carte d'identité, enfin, je crois que c'était la carte d'identité, et il me regarde comme ça. Et puis, il va dans le bureau avec ma carte d'identité, il ne la rend pas. Et je commençais à m'inquiéter, parce que je me dis, s'il me demande d'ouvrir le coffre, et s'il m'arrête, ça va être la catastrophe. Et puis il revient et il me dit en allemand, Kollegen mitnehmen. Vous comprenez l'allemand? Voulez-vous bien prendre le collègue avec vous? Mm-hmm. Donc il y avait un douanier qui devait aller à Aix et il me demandait si j'étais prête à le véhiculer jusqu'à Aix. Il m'a demandé où j'allais, j'avais dit Aix. Et donc il m'a dit, Kollegen mitnehmen. Et j'ai répondu, ya, ya. Pas de problème. Pas de souci. Mais ma problème. Et j'ai pris le gars que j'ai conduit jusqu'à Aix, et puis je suis repartie parce que j'allais pas à Aix, j'allais à Cologne. Mais enfin, c'était la seule fois où j'ai porté des valises. Et vous n'étiez pas tellement d'accord avec ce terme? Avec ce terme, non, je trouve qu'il est réducteur. Je trouve qu'il est réducteur parce qu'en fait, les activités des camarades qui agissaient étaient beaucoup plus importantes que de porter des valises. Moi, j'ai par exemple transféré de l'argent de France en Belgique. J'ai conduit des militants en France. Je faisais à peu près 35 000 km par an, ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. J'ai conduit des militants, notamment le fameux Ammar Ladani, mm-hmm. en Allemagne. J'ai conduit beaucoup de militants en Allemagne. Et je n'ai jamais porté de valise. Mm-hmm. Et c'est un terme qui a été engendré par les Français. Mm-hmm. Parce que je suppose que je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça des porteurs de valise. Alors, notre rôle, c'était de trouver des logements, éventuellement de trouver des faux papiers, de nourrir ces gens, parce qu'il y en a qui ne sortaient pas, qui restaient cloîtrés dans un appartement et qui ne sortaient pas parce qu'ils étaient recherchés. Il y avait un gars qui était l'exécuteur des hautes œuvres en France, qui venait se réfugier en Belgique de temps en temps. Moi, je le reconduisais en France. Donc, voilà. Okay. C'était vraiment très, très important comme C'était comme plus démarche. Important que de porter des valises. De porter. Mais c'est, que c'est le cas des autres activistes, oui, que vous avez rencontrés. Oui, tout à fait. Et durant toutes mes recherches et mes découvertes, c'est qu'il y a eu... Par exemple, j'ai eu l'épouse de Serge Moureau, que j'avais eu au téléphone, qui était aussi très impliquée, mais qui était dans l'ombre. Je me suis dit, je voudrais faire une conférence, donc j'en avais organisé plusieurs durant l'année 2012, et je voulais avoir un panel, un grand panel, et vraiment les rencontrer, c'était pour moi vraiment, et celle-là encore pour moi, quelque chose que je tiens vraiment et que je n'oublierai jamais, et je voudrais que nos enfants puissent garder sans mémoire et voir comment à l'époque des personnes ont milité, mmh. Avec cœur mais sans violence, avec vraiment parce qu'ils croyaient vraiment à la juste cause. Je peux t'interrompre une minute? Si j'ai parlé de mes parents, c'est pour vous dire aussi que je baignais dans une déjà atmosphère de militantisme, de antiracisme, mmh. enfin vraiment. Qui m'a permis d'accepter tout ça. En tout cas, moi, je l'ai bien compris. Oui. Je pense qu'on le comprend et bien. Donc, il y en avait d'autres, comme par exemple, justement, j'ai voulu, parce qu'il est aussi cité dans le livre, Luc Sommerhausen, qui était le responsable du réseau Janson. Ce réseau Janson en Belgique, parce qu'il y a aussi le réseau Janson en France.
Mais en Belgique, c'était aussi un grand réseau qu'on appelait le réseau Janson et qui était composé de différentes personnalités, comme des sympathisants comme Suzy, mais il y avait aussi des avocats qui étaient très proches, qui, comme je vous ai dit, défendaient la cause et défendaient les Algériens. Et ils étaient vraiment dans une discrétion la plus totale, mais très active et très efficace. Et en voulant. Et qui a donné des fruits. Hein, et qui a donné des fruits, parce que justement, entre autres, tout à fait. A été indépendante. Et donc, je téléphone et je voulais savoir, et je me dis, après quelques années, est-ce que cette personne est encore vivante? En tout cas, elle est encore avec nous. Et j'étais très, très mal à l'aise quand j'ai pris le téléphone. Je me dis, sur qui je vais tomber? Je téléphone et je tombe sur une dame, qui est sa veuve. Mm-hmm. Et quand je dis bonjour, je m'excuse, j'espère que je ne tombe pas mal, mais voilà, je suis à la recherche de M. Luxemburghausen. Un moment de silence. Mm-hmm. Je me dis, oui, Rizala, qu'est-ce que tu as fait? Un moment de silence. Après une minute, elle me répond, elle me dit, mais il est décédé il y a un ou deux mois. Il venait de décéder. Mais à la fois, elle était émue parce qu'elle me dit, mais mademoiselle, qu'est-ce qui vous a pris? Comment est venue l'idée de me contacter et de vouloir rencontrer et de découvrir ce qu'a fait mon mari? On nous a oubliés. C'était votre sentiment, Suzy? Non, parce que nous étions enfermés personnellement et encore d'autres. Ici, aujourd'hui, non. Je veux dire, ici, les Belges ne connaissent pas très bien cette histoire. Quand elle dit « on nous a oubliés », c'est que… Oui, il y a un livre. Peu de gens connaissent… Oui, ça c'est vrai. Au niveau de l'histoire, on nous a pas appris. Non, mais quand vous dites les Algériens, Algériens avaient toujours, je disais. Les Algériens, mais les Belges, non. Avaient toujours une attitude très amicale vis-à-vis de nous. On était toujours invités à l'ambassade, par exemple. Ils ne nous oubliaient pas. Mm-hmm. Et ça, on avait trouvé sympathique. Donc, je ne parlais pas de forcément Belges, de la communauté algérienne, mais de les Belges. Au niveau de l'histoire, les Belges ne savent pas ce que des Belges ont fait. Mais aussi, je crois qu'ils ne savent même pas, pour le moment, les jeunes ne savent même pas qu'il y a eu une guerre d'Algérie. Hein. Donc, c'est comme quand on a fait un survey dans les écoles à propos d'Hitler. Hitler ne connaît pas, donc... Mais ça, c'est une autre... Oui, pour dire que l'histoire n'intéresse pas grand monde. Et donc voilà, donc, je l'ai rencontrée, elle a été... Jusqu'à présent, on est devenus aussi encore des bonnes amies. Elle est charmante, elle vient à toutes les activités. Et donc, elle m'a apporté des informations, on a organisé plein de choses ensemble et on continuera... j'espère, à avoir un long chemin ensemble. Et entre-temps, par exemple, Jack Nagel, je découvre par son témoignage, quand je l'avais invité lors d'une conférence, en 2012, qu'il a été en prison. Oui. Tout ça parce qu'il nous a soutenus. Et il était le scribe, il écrivait des lettres aux Algériens. Donc, il y avait un professeur d'université, Georges Laperche, dont on a eu un hommage avec son fils. On a fait ça en 2012 aussi avec les autorités communales de Liège, où c'est un professeur d'université à Liège. Il y a eu un colis piégé par la main rouge, qui était l'armée secrète française, et qui a mis un colis piégé. Il est décédé. Donc je veux dire tout ça. Je me devais, moi, en tant que belgo-algérienne, avoir ce devoir de mémoire, et j'avais envie pour nos enfants, pour que... C'est toujours dans mes valeurs et mon esprit d'universalité. Parce que ce sont des gens qui nous ont soutenus. Moi, j'ai envie de perpétuer ça. Mais que cette jeunesse qui va aujourd'hui vouloir faire une guerre dans un pays et qui ne connaissent pas vraiment pourquoi et pourquoi ils s'engagent, que cette jeunesse voit comment et comprenne pourquoi d'autres on fera le parallèle avec, comme on l'a dit, comme on l'a promis, Rizala. Voilà. Mais avant ça, donc, on a compris, donc, les amitiés belgo-algériennes se veulent donc faire la promotion de ces rapports, de ces relations et de ces amitiés, de ce travail de militantisme et de mémoire, comme vous dites. Comment est-ce que vous avez concrétisé, on a entendu, quelques conférences, des rencontres avec justement les personnes qui sont encore présentes? Mais pas que, parce que je fais à côté de cela, il y a aussi le côté artistique qui compte beaucoup, parce que
le faire la promotion d'un patrimoine d'un pays, c'est aussi à travers la culture. Mm-hmm. Donc moi, c'est vraiment à travers aussi la culture qu'on peut aussi faire en sorte que les gens puissent se connaître, mieux vivre ensemble, puissent se découvrir. Et donc, on organise aussi, donc l'association organise aussi des conférences, des rendez-vous littéraires à travers des auteurs, des écrivains d'origine algérienne. J'en ai fait plein, j'ai entre autres... Il y a plein de... Enfin, j'ai pas commencé à envie de les... Mais il y a eu pas mal... Justement, quelques... Il y a Yasmina Kadra qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Il y a récemment Amel Chouati qui est une franco-algérienne, plutôt une algérienne vivant en France, qui a écrit un bouquin sur les femmes à l'époque de l'émir Abdelkader, qui était emprisonné au château d'Amboise. Mm-hmm. Mais c'est dans le cadre aussi de l'hommage à... on a fait un hommage à Assia Djebbar, qui est la grande écrivaine féministe aussi algérienne, droit des femmes. On a fait aussi, par rapport à l'histoire, on a aussi fait une conférence sur l'émir Abdelkader, qui est aussi un des grands militants de la gauche d'Algérie, qui était un ami aussi à Abdelkrim Khattabi. Mm-hmm. Donc, c'est à cette période-là. On a fait aussi on fait la promotion d'artistes belgo-algériennes. Il y a des artistes en Belgique d'origine algérienne. Et donc, on a fait aussi, il y a des conteurs, il y a des danseurs, il y a une danseuse comme Luisa Gardaoui, il y a des conteurs comme Fahma Abbès, il y a, vous connaissez la Sandra Zidani, qui est aussi d'origine algérienne. Il y a des personnalités algériennes, il y a aussi Jamila Drissi, qui est une belle comédienne, qui a fait quand même un one-woman show. Ouais. Donc voilà, je voulais, à travers notre association, faire la promotion d'artistes belgo-algériens ou algéro-algériens, faire la promotion de notre patrimoine culturel et artistique de l'Algérie, parce que j'en suis convaincue, parce que par rapport aux personnes que je rencontre, on ne connaît pas très bien l'Algérie. À travers son histoire, ses activités artistiques, on ne la connaît pas. On l'a connue malheureusement que par rapport à son histoire passée, par rapport à la décennie noire avec le terrorisme algérien dans les années 90. Ça, on a connu l'Algérie dans son versant négatif de ce que c'était. Mais j'ai envie de montrer qu'il y a aussi des côtés positifs à travers la culture. Moi, c'est la culture que je veux mettre en avant, l'histoire et la culture que je veux mettre en avant par rapport à notre association. Alors, voilà. Comme vous l'avez dit, là, vous organisez très prochainement un gala de clôture, c'est-à-dire de toutes les activités que vous avez organisées, Oui, c'est un gala de clôture qui va clôturer justement tous ces cycles de conférences que nous avons organisés dans le cadre du 60e anniversaire du déclenchement. Et on la voulait plus festif. Et on va inviter un chanteur connu en Algérie qui s'appelle Samir Toumi, qui est un chanteur qui chante du Haouzi, du Chaabi, mais qui peut aussi chanter du Kabyle. Donc il va sillonner toutes les différentes régions d'Algérie, mais pas que, parce qu'il a fait des chansons, il a été au Maroc, il va souvent au Maroc, il a fait des concerts avec Latifa Arafat, oui. Et il est connu, son frère habite d'ailleurs en Maroc, il est résident au Maroc, donc il a aussi ce côté maghrébin dans sa manière de vouloir chanter, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité aussi le faire venir, il va venir d'Algérie, donc il sera là dimanche, Inch'Allah, le 6 décembre. Le 6 décembre, donc on donne rendez-vous. Oui, il y aura aussi un groupe folklorique qui est le groupe Nostalgie d'Iblet. C'est un peu, si on peut dire, l'équivalent des Daqal Marakchia marocains. Ce sont des groupes qui animent les mariages, qui animent les festivités et qui vont aussi parcourir les différentes musiques avec les différents costumes d'Algérie. Tout ça dans la promotion, tout ça dans le fait de vouloir faire découvrir les différentes... parce que l'Algérie, elle est multiple, elle est diverse dans sa culture, elle est multiple dans son patrimoine culturel. Et avec, ce sera qu'un échantillon de ce que connaît l'Algérie dans tout son patrimoine culturel. Alors, le rendez-vous est pour dimanche. Dimanche 6 décembre. À partir de 14h, en fait, il y aura un programme, billetterie. Et 15h, on commence. 15h, 15h30, en espérant que tout le monde rentre dans l'ordre. Mais il y a bien entendu des préventes qui se font par un compte, que je vous enverrai le compte de l'association. Je suppose que vous pourrez peut-être l'afficher. L'entrée est de 15 euros en prévente, 20 euros sur place. Et il y aura aussi des stands de dégustation, des spécialités culinaires algériennes, gâteaux, pâtisseries algériennes, quelques spécialités. Donc de 14h et le concert. Jusqu'à 19h. Le concert, il y aura d'abord on va commencer par la rencontre témoignage avec nos amis.
à partir de 15h, 15h30, et à partir de ces, voilà, et 15h, à 15h, si tout va bien, et à 16h30, le concert va commencer. Mais entre-temps, coupé par justement ce groupe, le Nostalgie du Blé, qui vont venir accueillir les gens dans les entractes, ils vont faire aussi d'animation, et après, ils vont faire aussi d'animation. Donc c'est entrecoupé d'entractes, d'animation, et voilà. Je précise également, comme il y a aussi une situation particulière aujourd'hui, qu'il y a une sécurité qui est organisée avec des vigiles, etc. Donc voilà, au cas où des personnes n'oseraient pas sortir, il y a une sécurité qui sera organisée. Ça se passe au Viage Théâtre, 30 boulevard Ranspach à 1000 Bruxelles. C'est en fait la salle au-dessus du casino, pour ceux qui savent où se trouve le casino. À De Broucker, tout près du... Suzy, c'est important pour vous de participer à ce genre d'activité? De parler de ce pan de l'histoire. Mais ça fait partie de ma vie. Donc ça me fait toujours plaisir de partager avec des gens qui sont intéressés. Maintenant, je suis un peu âgée, ce qui fait que je ne participe pas à tellement de choses parce que j'ai 82 ans, donc ça pose parfois quelques problèmes. Mais je suis toujours contente de rencontrer des gens, c'est évident. Là, j'espère, on le verra, l'émission vous est consacrée à cette histoire. Donc le dimanche, on en découvrira un peu plus sur ce pan de l'histoire, mais aussi on fait la fête avec nos amis algériens. Est-ce qu'il y a un autre travail, par exemple dans les écoles, qui se fait, ou bien d'écriture? D'écriture, c'est un projet. Voilà, quels sont les projets de là-bas? C'est une question de financement, parce que vous savez bien qu'on n'est pas subsidié. Donc je travaille et on travaille bénévolement, chacun chez soi. Et donc c'est jour et nuit après les heures de bureau, le week-end et le soir. Donc c'est un travail en plus. Mais je continue. J'ai l'ambition de vouloir faire, je souhaiterais faire un recueil de tous ces témoignages. Justement, ces témoignages de nos amis ici, du réseau de solidarité des Belges, mais aussi de nos parents. De nos pères, qu'il n'y a rien. J'espère, si j'ai les moyens, de faire soit un recueil écrit ou un documentaire ou une réalisation audio pour garder une trace. Ce serait un outil pédagogique dans les écoles. Ce ne serait peut-être pas moi qui irai parce que je n'ai peut-être pas l'occasion, mais il y aura d'autres, parce que c'est une question de temps, mais j'espère que ça pourrait servir d'outil pédagogique où des personnes pourraient aller dans les écoles et servir d'outil pédagogique parce qu'il le faut. Il faut des outils pédagogiques, on a manqué de ça. On a eu ce parcours scolaire, primaire, secondaire et même université où on ne nous a pas appris, on ne nous a pas fait découvrir quelle était notre histoire, d'où on venait et comment... Et pourquoi on est ici. Fort heureusement, on a dépassé ça, donc on a pu bien vivre ça. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui ne le savent pas, qui le vivent très mal. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut vraiment qu'on fasse. Ça faisait partie aussi de nos combats, on le demandait à l'époque aussi. L'histoire de l'immigration, un peu de nos États, de nos pays, la guerre... Suzy le dit, la guerre d'Algérie, on la connaît peu, les gens à part, on parle des premières, deuxième guerre mondiale, mais on nous apprend pas beaucoup, en tout cas en primaire, secondaire, de ce qui s'est passé vraiment dans la guerre d'Algérie, parce que c'était une guerre, une guerre qui était atroce, c'est une guerre qui a eu, comme on dit, une guerre sans nom. Elle était tout aussi... qui a duré très longtemps aussi. Très longtemps. Oui, c'était non seulement atroce en Algérie, mais en France aussi. Il y a eu une perquisition terrible. Ils ont pourchassé beaucoup d'Algériens. Pourchassé beaucoup d'Algériens. Il y en a beaucoup qui ont été en prison. Il y en a qui risquaient d'être exécutés. Et d'ailleurs, une de nos amies, Cécile Draps, qui était avocat, qui a défendu des Algériens, chaque fois qu'elle parvenait à sauver la tête d'un Algérien, elle était heureuse, quoi. C'était vraiment... Non, c'était pas évident. Elle est allée en Algérie, plaider également, et elle risquait sa vie à ce moment-là. Il y a eu le 17 octobre. De vous, Suzy, si ce n'est pas dans le cadre de l'association Plus maintenant, non. Plus maintenant, non. Non. Mes enfants sont au courant, évidemment, mais ils n'en parlent pas. C'est trop loin. Il y a quand même 50 ans, 60 ans. Donc, mais il y a eu un exemple, par exemple le 17 octobre 1961, où il y a eu des centaines de milliers de centaines de morts
ont été à Paris, qui ont été. Et puis il y a eu le métro le... Charonne aussi. Oui, et puis il y a eu le 8 mai 45 où l'Europe fête sa libération. Oui. Et c'est ça le fou, c'est que c'était des Algériens comme les Marocains, hein, les Sénégalais, les Africains qui étaient enrôlés dans l'armée française. Ils ont participé à la libération de toute l'Europe contre le nazi, contre les Allemands. Ils veulent fêter leur liberté, leur liberté. Surtout que les autorités à l'époque disaient après, ce sera votre tour. Au moment où ils ont voulu dire on est content avec vous, mais nous aussi on la veut, ils se sont fait massacrer. Et le massacre de Sétif et de Guelma par milliers. Et donc voilà. Donc c'est, tout dépend de l'histoire, très important à connaître. Je pense à une chose, c'est pourquoi j'ai fait aussi le lien, c'est qu'en 1954, et c'est pour ça aussi, en fait, c'est une, en 1954, il y a eu un congrès qui s'appelle le congrès d'Ornu. Congrès d'Ornu, où dans ce congrès, il y a eu justement des premiers indépendantistes algériens qui ont été accueillis pour penser à une guerre de libération. Et ça a été un peu le déclencheur de cette guerre de libération. C'était le 14 au 16 juillet 1954, la guerre de libération nationale. On comprend bien que c'est vraiment très très important. Oui, Rosana, non, c'est vrai que je parle avec beaucoup de passion là. De voir vraiment avec passion et vraiment, c'est tout à votre honneur. Rosana Chérifi, Madame Suzanne Suzy Rosendor, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, à part en plus de donner rendez-vous le dimanche 6 décembre, Zella? Eh bien, qu'on puisse continuer ces échanges. Donc, en tout cas, nous, on se veut faire un pont entre les différentes communautés et avec les différentes personnes que nous côtoyons ici en Belgique. Donc, nous, on lance et on tend notre main à quiconque qui peut venir nous soutenir, nous aider. On n'a pas d'exclusive, hein, donc on est ouvert à tout le monde. Alors, venez fêter avec nous, venez en tout cas nous rencontrer, nous faire la fête avec nous. Venez samedi, enfin, le dimanche 6 décembre, vous allez découvrir non seulement ces témoignages, mais à la fois accueillir le chanteur, hein, Samir Toumine, viendra d'Algérie quand même, donc il faut vraiment que vous puissiez le découvrir. C'est quelqu'un, c'est aussi un jeune montant en Algérie, et nous serons les premiers à nous accueillerons avec plaisir. Et j'espère que si vous êtes, en tout cas, on est à disposition. Il y aura, je suppose, nos coordonnées pour si vous souhaitez nous soutenir, être membre. Et en tout cas, on est ouvert à tout le monde. Voilà, sans exclusive. Bonne continuation, voilà. Marzella, Suzanne. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on apprenne aux jeunes l'histoire. Et je trouve qu'il serait très important de leur apprendre l'histoire, non seulement de la Seconde Guerre mondiale, mais de toutes les guerres qui ont lieu, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie. Tout ça n'est pas enseigné à l'école. Et je trouve qu'il faudrait faire peut-être un effort auprès de la ministre de l'Éducation pour insister auprès d'elle pour qu'on mette ça dans les programmes. On l'espère. On l'espère. En tout cas, merci Suzy, merci Rosana. Merci rendez-vous à vous, donc, merci à toi, Fouzia. Rendez-vous donc le 6 décembre, dimanche. C'est une belle journée conviviale, après-midi conviviale, avec un bon programme. Ça sera la Saint-Nicolas ce jour-là. Ce sera notre Saint-Nicolas. Est-ce qu'on aura des petits sachets avec des stupidos? On verra. On espère. On espère. Pourquoi pas. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices. L'émission Femmes au pluriel vous dit au revoir. Jusqu'à la semaine prochaine pour avec d'autres invités et un autre sujet. D'ici là, soyez heureux et heureuses.